Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu, et bienvenue chers amis dans INN Tycoon. J'ai envie de le dire comme ça parce que c'est un peu In Tycoon, bon de toute façon ça veut... Le mot, alors je sais pas si en anglais ou chez les anglo-saxons ça veut dire quelque chose comme taverne, mais IN ou peut-être des... Bref, franchement on s'en calisse. De toute façon c'est un jeu de stratégie sur la gestion d'une taverne, voilà. Bière, repas, chambre d'hôtel, et puis barde peut-être, enfin bon bref, j'ai la démo de ce jeu il y a quelques temps, et c'est fait par Evil Good Game, et franchement je les aime beaucoup parce que j'ai apprécié, je les connais, j'ai fait quelques-uns de leurs jeux, et je les apprécie bien, voilà. Non, Bob's Inn... Tu sais quoi, tu gardes le machin là, t'es juste Tatsun... Voilà, c'est cool ça. Ok, tutoriel. Ah, oh, est-ce que je fais le tutoriel? Ah, oh, j'ai pas envie. Bon, écoute, franchement, qui a besoin de tutoriel dans la vie? Est-ce que t'as un tutoriel quand tu vas aux toilettes? Non. Bon, bah voilà. Et pourtant... Et pourtant, il faudrait... ok, donc il me semble qu'il y avait... Alors, tu vois, il y avait ça. C'était la bouffe et qu'il fallait faire ça. Fallait faire ça et que merde, j'aurais dû faire le tutoriel. Non, tu pouvais rajouter une pièce. Combien de pognon est-ce qu'on a? Il fallait ouvrir aussi. Je crois qu'on était ouvert d'office, non? Il fallait rajouter. Ah, et attends, clavier ricain. Et hop là, voilà monsieur. Bonjour. Donc, ils peuvent venir boire au bar. Parce que c'est Royal Oban, bien sûr. Et puis, ils peuvent venir s'asseoir. Et du coup, on a 140 piastres. Et il faut attendre que les gens arrivent. Une serveuse. Il faudra embaucher une serveuse, il me semble. Où sont les employés? C'était à la décoration. Ça, c'était les employés. Embaucher, serveuse. Embauche la serveuse. 15 jours. Elle s'appelle Lilia. Lilia, bonjour à toi, Lilia. Et elle se met déjà en route... à bosser, et ça c'est vachement bien. Je crois qu'on ne fait pas les commandes de boissons. Je crois que ça, on n'a pas besoin de commander, et franchement, c'est quand même plus sympa. Voilà, non, mais c'est quand même vachement plus sympa, et plus simple. Bon, maintenant, il y a plein d'autres choses à gérer, et puis voilà. Donc on est dans un petit monde comme ça, juste derrière un lac, apparemment, enfin, une rivière, un lac, gros lac, un petit lac. Bref, un lacounet. Et notre taverne est déjà pleine. Et du coup, la dame, elle part. Êtes-vous content? Donc on a... Ça, c'est là. Il y a la réputation. Il y a le pognon, évidemment. Le pognon, comme d'habitude. Le pognon. Il y a la cave. On n'a pas encore pour l'instant. Et il y a les décorations qu'on peut mettre un petit peu partout. Histoire de faire plus de réputes. Encore et encore. Oh, du pognon, regarde-moi. Ah, c'est pour moi, ça, c'est 1,2. Waouh, le début de la richesse, bro. 1,2. Donc voilà, il vient d'arriver là tout de suite, maintenant, sur Steam. C'est un tout petit jeu fait par une belle équipe. C'est Google. Ah, Evil Good Games. Et il coûte 7 euros. Il m'a coûté 7 euros. Franchement, t'as tout un jeu de gestion pour 7 balles. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa, voilà. Parce que pas cher et tu t'amuses tout de suite. Bah, pourquoi pas. Bon alors, ça va aller, là? Elle a glissé sur le vomi. Oh, le premier jour de merde. Oh, le premier jour dégueulasse. Oh, la vache. Oh, le premier jour absolument nul. Bon, on va passer. Il me semblait aussi que j'avais les stats, certes, mais je pouvais accélérer les choses, et ça, c'est vachement bien. Il va nous falloir une cuisine. La cuisine. Il va falloir agrandir le truc, et je crois qu'il y a des niveaux à passer. Il y a des niveaux à passer. Donc du coup, c'est niveau 2. Voilà, ça c'est niveau 2. Ça c'est niveau 4. Niveau 4. Et il y a des... Tu vois, sur... Alors le 4, tu vois, t'as une espèce de petite gemme. Apparemment qu'il va falloir accumuler. Ouh, du pognon. Merci. C'est très aimable, là. Merci pour le pognon, bien sûr. D'ailleurs, à propos de pognon, gros pouce bleu, gros abonnement, bien sûr. Ça fait toujours serveuse. D'accord, ça fait toujours plaisir. C'est à moi de nettoyer les taches de vomi. Ah bah bravo, on recommence le pattern, je suis le patron, mais c'est à moi de nettoyer le dash de les vomis et les merdouilles. Ok, non mais pas de soucis, hein, pas de soucis, voilà. Chasser le naturel, il revient au galop, hein. Bien sûr, bien sûr.
Ok, comment je sais que je passe de niveau? Où sont mes niveaux? Après, il va falloir embaucher le cuisinier, un barman. Bon, peut-être un jour, quand on sera vraiment, vraiment plein. Mais deux tables, déjà, c'est pas mal. On accumule un petit peu le pognon. On va accélérer. Quelle heure il est, d'ailleurs? Est-ce que j'ai une heure, quelque part? Ouais, niveau 2, 300 balles de récompense. Limite de personnel, genre je peux embaucher une autre personne. Ah, attends. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il faut mettre des trucs là-dedans. La cuisine. D'accord, ça c'est les niveaux. Mais ah oui, je sais plus, je crois que c'était pour les gens renvoyés. Non. Oui, c'est ça. Ça me permettait réduire le salaire. Ah oui, alors ça c'est horrible parce que tu peux faire en sorte qu'elle te coûte moins cher. Vitesse de déplacement, on va faire une vitesse de déplacement. Ça c'est un peu horrible. Voilà, ça, je trouve. Ah, hein, voilà. C'est pas de ma faute. Hein. C'est pas de ma... c'est pas de ma faute. Pas tout à fait. Mais bon, voilà, t'es patron, tu l'es pas. J'ai envie de dire. Hein. Ensuite, est-ce qu'on s'arrête là? Regarde, hop là. On va en faire hop là, là et puis. Là, et du coup, on a bien géré, on a bien... Attends, si je veux te déplacer un petit peu, genre, style, ici... Ouais, en fait, c'est celui-là qu'il faudrait déplacer, juste un peu comme ça, et puis peut-être une petite déco, allez. Moi, j'aime bien la déco. La cuisine, il va falloir faire la cuisine, Tatsu. Il va falloir faire la cuisine, donc ce serait bien de déplacer ce truc-là, genre ici, c'est très bien, là, juste devant la porte. À côté, vous êtes comme... hein? Voilà, ça supprime une place, ça, c'est pas bien, en fait. Voulez-vous déplacer? Écoute, non. 120 balles, quand même! Oh là, 120 balles! Aïe, aïe, aïe! 120 balles, et du coup, on peut faire ça. 80, et il me reste plus rien! Attendez, ric-rac, on est ric-rac! Mais je peux pas commander, enfin... Embaucher 60 balles pour embaucher un cuistot. Bon, on a ce qu'il faut. Mais on peut pas embaucher. Mais ça va monter normalement très très vite. Le cuistot. J'espère que je vais pouvoir, comment dire, personnaliser les murs. Allez, 60 balles là, que j'embauche le cuistot. Ah, c'est déjà fini? Oui, mais on a bien avancé quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il s'agissait de prendre des protes. Donc ça c'est réduire les impôts, tous les salaires. Non, vraiment, vous avez quelque chose avec les salaires. On va... Enfin, ce jeu a été fait par des gens de droite. Moins 14. Ah oui, il me semblait que notre Lilia et le barman attendraient dehors que l'entreprise ait l'ouvre. Ça c'est marrant ça. Ils ont pas de chez eux, voilà. Il faut vraiment que je sais pas du tout ce que ça veut dire. I2N là. Aucune idée, sans doute un truc anglo-saxon là. Ils sont fous ces anglo-saxons. Bon alors, toi tu t'enlèves s'il te plaît. C'est quoi cette photo? On peut prendre une photo? Ah non, on peut te suivre. Définir un surnom. Te renvoyer. Non ça va, on va pas te renvoyer. C'est pas parce que t'as glissé dans le vomi, c'est à moi de le nettoyer apparemment le vomi. C'est bien qu'on puisse donner un petit coup de main. Ce serait presque... Un super jeu, ce serait de te mettre en qualité PNJ. Vraiment? Oh bah, pas content, d'accord. Mais de pouvoir aller justement là, et puis même quitte à servir les gens directement. Ouais, tu prends, monsieur, bonjour, qu'est-ce que vous voulez, une bière? Allez, je prends une bière, un truc. Mais il faut embaucher des gens, hein. À mon avis, elle galère, la pauvre. Ça va aller, monsieur, faut partir, vous êtes bourré, je crois. 47. Il faut gagner plus de pognon quand même. Hein. D'accord, donc ça c'est le défilement du temps. Il est bourré lui. Hein. Tu peux lui mettre un petit coup de pied là? Barre-toi mec. Il parle maintenant, regarde. Tu peux lui redire Okata. Voilà, ça c'est fait. Il a été embauché. Et il va falloir embaucher une autre serveuse. Elle galère déjà avec 4 tables, la pauvre. Les gens sont pas contents. Quand ils sont contents, ils filent du fric. Quand ils sont pas contents, ils s'en vont et ils font la gueule. On dirait des viewers. On dirait des viewers. Je suis sale, j'aime ça. Allez. Ok, la dame, elle est contente. D'accord, bon, ils ont à bouffer maintenant.
Tu bosses un peu, toi? Tu bosses un peu, ou... Comment il s'appelle? Il s'appelle... Kélan. Il s'appelle Kélan. Combien ça coûte une serveuse? Une petite serveuse, là? Une serveuse supplémentaire. 44. Allez. Je veux plus rater les gens. Je veux plus rater les gens. Plus du tout. On a encore 20 balles. Et on est voilà, au maximum. Donc, tu vois, les gens sont pas contents. En effet, les gens ne sont pas contents. Font la gueule, ça pas encore, les bains pas encore, fin de la journée déjà, eh ben dis donc, bon, on est en place, hein. On est en place. Réveillon du nouvel an. Donc là, apparemment, prix des boissons plus 100%, vitesse de sommeil des clients, oui, mais j'ai pas de. Vendredi noir, vitesse de déplacement des clients. Pourquoi les clients seraient plus rapides? Action des clients, je comprends pas. En tout cas, ça coûte plus cher. Mais j'ai pas cet argent. Si. Si j'ai. Et si on faisait ça? J'ai aucune idée. Alors, tous les prix? Attends, mais c'est quoi ça? Ah non, mais attends, mais c'est pas bien ça. Mais c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est mes prix à moi qui sont moins 40. Mais t'es fou? Mais t'es ouf gueudin? Mais attends, mais on est où là? Bah, le vendredi, il est noir. J'ai pas envie que le vendredi soit noir, hein. Bon, par contre, on est en négatif. C'est vraiment pas bon du tout. Et donc on a deux serveuses, ça c'est notre première Lilia, c'est Isla, Norm. Ce serait bien qu'il y ait quelques différences quand même entre les PNJ. En même temps, le jeu vient de sortir, il ne coûte rien du tout. Je rappelle que c'est une toute petite équipe. Maintenant, si on pouvait gagner du pognon, certes, mais si on pouvait gagner aussi de la répute et du bonheur des gens, ce serait parfait. Voilà, ce serait parfait. Je compte faire 2-3 épisodes dessus. Je trouve le jeu vraiment trop mignon, trop sympathique. Et puis, même graphiquement, il est sympa. On a une belle ambiance, hein. Puis la musique, j'aime beaucoup la musique. Je l'ai baissée. Je l'ai baissée, peut-être un peu trop, malheureusement. Mais franchement, j'aime beaucoup la musique. C'est très médiéval, très sympathique. Allez! Alors, ça dépense du fric. Là, ça remonte. Voilà, niveau 3, niveau 3. Super, niveau 3, plus 200 balles. On vient de gagner 200 balles, là. Comment ça se fait? Alors, attends que le producteur de nourriture soit disponible. Bah, tu te manies ton petit cul. Attends, donc du coup, si je fais ça comme ça, et que je fais ça comme ça... Attends. Voilà, parce qu'en fait, c'est là qu'il met la bouffe. Pour que... Mais normalement tu pourras en faire plus si tu... Hein? Comment ça se fait? Tiens, attends. Réduire le salaire, vitesse de déplacement, vitesse de cuisine. Écoute. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Il cuisinera plus vite. Allez, cuistot là. 20%, t'es sale là, ça c'est sale. C'est pas très vendeur, hein, le cuistot, hein. Oula, le pognon. Voilà, le pognon. Oh, il y a du pognon partout. Pas comme ils sont contents, les gens. Regarde-moi ça. Le bonheur, le pognon, le bonheur. Revenons au jeu, bien sûr. Excusez-moi, chers amis, je sens que j'ai une voix un peu dégueulasse. Étonnamment, il a fait chaud, très chaud. Et puis, bah, plus rien là. Maintenant, il fait un peu frais à nouveau et j'ai l'impression d'avoir pris un coup. C'est étonnant là, c'est étonnant. Mais vous avez pissé! Putain, mais c'est dommage, je puisse pas les baffer. Bon, je sais bien que le client est roi, mais quand même, une petite baffe, ça fait plaisir au patron. Ouais, bon, heureusement, il laisse 1,2 balles de pourboire. Eh ben, bravo. Ça valait bien la peine de pisser par terre, quoi. Bon, l'été. Alors, attends, les pluies. D'accord, donc on a vraiment accumulé encore plus de trucs. Ah oui, attends. Alors, tous les prix, plus 50%. Visite royale. Là. On va s'en faire de la thune. Donc j'ai bien fait de garder tout le schmilblick. Non, par contre, est-ce que on... Une petite table de plus peut-être? Ce serait bien. Attends, j'arrête le truc. Qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau bar, ça c'est bon. Est-ce qu'il en faudrait plus de l'hydromel? Est-ce que ça, je devrais peut-être l'augmenter? Est-ce que le bar, 500 balles pour augmenter le bar. Oui, c'est vrai que ce serait pas mal, hein. Il faudrait peut-être qu'on garde de l'argent pour augmenter le bar. En attendant, on va faire ça. Remettre une tablée de plus. Une tablée de plus, et c'est tout. Et c'est tout. Là, on va se faire du pognon. Ça dure combien de temps, là? Ça met la fin de la journée. Bon, bah voilà, comme ça, c'est fait. Allez! Où le pognon?
Est-ce qu'on pourrait mettre une pancarte dans le style interdiction de pisser, de dégueuler, de tripoter les serveuses? Interdiction d'être un connard. Ok, bon bah écoute, je pense que ça gère. Avec une table de plus, normalement ça gère. Là, t'avais le Ilia qui pouvait gérer je ne sais combien de personnes, enfin trois tables directement. Est-ce que, hop là, on pourrait faire vitesse, chance de pourboire. Ouais, bon écoute, vitesse, allez, la vitesse c'est bien. Ah tiens, bien sûr, bravo, et c'est moi qui dois nettoyer. Hein. Le pognon. Ok, et toi aussi, ce serait bien de t'augmenter ton truc un seul, mais je... Mais j'avais pas mis, là. Bon, bah, la prochaine fois, j'imagine. Bref, prochain truc, le bar. Et puis après, on essaiera d'étendre un petit peu notre pouvoir. C'est marrant, cette map, mais bon. On fait 500 balles. Tranquille. On fait 500 balles. Est-ce que... on améliore. Ouais, yay, je suis content. Je suis content. Arrêtez de... Putain. Vous pouvez faire attention, s'il vous plaît, là. On avait fait un jeu de taverne comme ça qui ressemblait beaucoup. Avons-le, nous. C'est une inspiration. Je me demande même si c'est pas l'ancienne équipe qui est partie chez Goose Game et qui a fait. Ah, attends, on vient de passer un niveau. Donc, du coup, toi, je pourrais te faire en sorte que tu cuisines vachement plus mieux. D'accord. Et c'est cool. Qu'est-ce qu'on a débloqué sinon? 4. Ah d'accord, pour les grandes tablées, il faut dépenser du pognon maintenant. On a débloqué déjà l'hôtel? No way. On a déjà débloqué l'hôtel. Par contre, j'ai pas mis une seule déco. On va tâcher de se faire du pognon quand même. Il y a la salle de bain aussi. Ok, donc du coup, ça va, on a des gens qui sont moyennement contents. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas de mécontents du tout. Ça, c'est très bien. On a un petit peu de pognon. On paye les impôts. Ça va pas trop mal. Globalement, ça va pas trop mal. Bien que les serveuses... les trucs dégueulasses, elles y touchent pas trop, hein. C'est à Tatsu de le faire, bien sûr. La seule chose, c'est il va se falloir savoir où est-ce qu'on met les chambres. Parce que là, les chambres, elles sont arrivées assez rapidement, en fait. Alors, comme elles sont arrivées assez rapidement, c'est un peu chiant. Puis les décors. Petite bougie, 50 balles, tout de suite 150 balles. La tête de loup, les flowers. Je suis pas très fan de la taxidermie, mais bon... Qu'est-ce que c'est ça? Oh d'accord. Oh d'accord. Non, monsieur, il t'interdit de dégueuler par terre là. Il se pisse dessus. Alors un jour, j'ai des amis, ils voulaient m'emmener en Oktoberfest. Bon, c'était vite fait une idée qui est... Ils m'ont dit par contre, je te préviens, là-bas les mecs, il y a tellement de gens que sur les tables, une fois que tu prends une place, tu peux plus te relever. Donc il y a des bassines par terre, si tu dois pisser, tu sors ta kick, globalement, et tu fais sous la table. Et j'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Et j'ai dit, ouais, non, ça va aller, merci les gars. Bon, ils y sont pas allés non plus, hein, mais... Oh, j'aurais vu ça moins dégueu, moins crade, et puis moins... parce qu'ils m'avaient montré une vidéo où les mecs, ils étaient, mais alors... 300 autour de table et tu bougeais plus, quoi, hein, là avec des Allemands qui picolaient, qui pissaient par terre et qui sointaient, hein, globalement la bière. C'était pas tout à fait le week-end de mes rêves, je vous le cache pas. Voilà, je suis alsacien et du coup les Allemands, on les a à côté et j'en ai rencontré plein et c'est des gens très très sympathiques qui viennent une fois de temps en temps en France pour dire bonjour. Vraiment, hein, vous avez pas trop mis, c'est des gens qui sont très très ouverts, hein, vraiment, des gens qui sont très très, voilà, et, enfin, ça dépend sur qui, bien sûr, comme d'habitude, mais voilà. Alors, je sais pas, est-ce que je devrais prendre, parce que là, du coup,
300. Ah oui, d'accord, ils ont quand même pris du... Ils ont pris du pognon. Moins 128 de perte. Mais bon. Bon, bah, y a rien. Y a rien du tout, pareil, visite royale. On va éviter. Bon, c'est les salaires, je pense. On paye les salaires. Il va falloir attendre une ou deux journées pour faire bien. Mais est-ce que je devrais installer quand même des chambrées, genre 2, ici? 125 quand même, hein. Je crois qu'il faut une gouvernante. 120. Oh putain, 120 pour la gouvernante. 120 pour la gouvernante, ça fait cher. L'autre, il va se coucher, il paye. Ok, bon bah écoute. Le truc, c'est que la gouvernante se charge de faire le lit. Je pense. Oh, gros dégueulasse. Donc je pense que la trace de pisse qui est ici a globalement les mêmes effets. Voilà, je pense que c'est un rappel à cette magnifique tradition de l'Oktoberfest. Je pense, hein. Ok, attends, bouge pas, on va, la gouvernante qui fait flipper, hein, on dirait une nonne qui, voilà. Parfait. Donc tu vois, si je n'avais pas eu la gouvernante, pas de place pour, voilà, pas de place. Pas de lit, pas de quoi que ce soit, pas de salle de bain, bon. Franchement, est-ce qu'ils se lavent réellement à cette période-là? Et niveau décor, bon, niveau pognon, c'est pas le moment de le placer dans les décors, quoi. Il y a des torches absolument partout. Bon, normalement, le lit va être une source de revenus. 19 balles, c'est tout? Pour une nuit? Oh, ça coûte rien du tout. Ça coûte rien du tout. Non, il faudra augmenter la place des tables. Plus de tables, tout simplement. Quand ce sera fermé, on avisera. Il faudra payer les salaires, bien sûr, surtout que là, j'ai une gouvernante en plus, mais oui, pour moi, l'idée, ce serait de refaire, voilà, ici. Encore toute une rangée, que des tables. Que des tables avec une serveuse en plus. Donc ça, ce sera vraiment le next step, bien sûr, pour parler américain. Très bien, madame, vous travaillez très très bien. C'est joli, mine de rien, ce petit tapis là, ce petit plancher. Il faut pas dire, elle est belle cette petite taverne. Elle donne envie, voilà. Ok, du coup, et le pognon, moins 600 balles, ok, d'accord. Alors, pluvieux, machin, pâte à couffin, mon cul sur la commode, allez, c'est parti. Globalement, on avait 200 balles, on vient de payer quasiment 130 balles. En salaire, il va falloir prévoir le salaire. Putain. Il va falloir prévoir le salaire et pas qu'un peu, mec. Bon, en tout cas, ils sont en nombre à venir dans ma taverne. Allez, au boulot, mauvaise graine, là. Alors, je sais pas si le fait qu'il fasse mauvais, c'est bien pour faire venir les gens. Quand il pleut, t'as pas envie d'être à l'extérieur, donc tu viens à l'intérieur. Pourquoi vous restez à l'extérieur, madame? Elle attend de faire le lit. Oh là là, c'est presque triste. Enfin, si, c'est triste. Bon, la réputation monte. C'est très bien. Oh, le panneau. Tatsuin. Ouais, oh, je sais pas. Il va falloir que je fasse une miniature. Et je sais pas trop où aller avec ma miniature. Bon, madame. Voilà, heureusement que vous êtes là. Hein. Bravo, hein. Vraiment, hein. On pourrait améliorer le lit pour les faire payer plus cher. 240 balles. Et ça me coûte 50 balles pour faire une pièce de plus. Ouais, 50 balles. Et voilà. Aussi déjà. Parce que bon, 130 balles, c'est bien de les garder pour les salaires. Allons-y. Deux. J'espère qu'elles vont pouvoir gérer. La dernière fois, elles ont géré 4. Là, ça fait 7. Bon, 4, elle était pas génial.
Donc on est entre le fait de faire du pognon et de d'embaucher une nouvelle serveuse, je pense. Yeah, niveau 5. T'as le barman, je crois qu'on va améliorer le barman. On l'a pas amélioré lui. Chance de pourboire, vitesse de travail. Allez, roule ma poule. Il y en a plus là des réductions de salaire. Oh, on va peut-être faire en sorte qu'il nous coûte moins cher ce connard. Allez. Yay. Eh, hey, dis donc, c'est qu'on a gagné du pognon là. Super, vitesse de déplacement, moins 30%. Le réveillon, hein, peut-être on va encore garder, j'aime bien garder le truc pour avoir ce genre de choses. Le truc royal là. 50% de prix, c'est énorme. Attends, bouge pas. On vient de payer, globalement on vient de payer, et moi ce que je voulais faire c'était ça. Certes, mais je vais pas pouvoir embaucher si... 48, putain, de peu avant l'embauche de la nouvelle serveuse. De peu, allez, vite. Globalement, un ou deux clients et nouvelle serveuse. Bon, ce serait bien de tourner le bar maintenant qu'il est là. Je me demande si les, tout ce qui est hôtel, je peux faire une ligne par là. Parce que regarde, normalement on est censé s'étendre, mais vraiment par là. Et est-ce que je vais pas tout... Bon, il va y avoir un étage. Pas d'otage dans ce jeu. Hop là, à part... Non, rien, je vais me dire une connerie, c'est pas la peine. Et merci, c'est très aimable. Bon, nouvelle serveuse. Je sais pas comment elle s'appelle, machine. C'est quoi ton petit nom? Évangeline. Merveilleux, Évangeline. Au boulot, Évangeline. Bienvenue au paradis des gros lourds, de la pisse, de la bière et du vomi. D'accord, lui, il en fait trois tout de suite. Évangeline, serveuse. Elle attend. Elle est où? Où t'es, Évangeline? Bah, qu'est-ce que tu fous dehors? Ah non, ça, c'est pas toi. C'est toi, Évangeline. Bon, évidemment, il va falloir sans doute soit un autre cuistot, soit faire en sorte qu'ils soient encore plus rapides. 3. Oh putain. Là, tu vois, regarde, à peine je mets 3 tables de plus que les gens partent et ne sont pas contents. Parce que sans doute celui-là, il va falloir faire en sorte qu'il travaille mieux. Et cuisine, salopard. Ça donne vraiment pas envie. Il pleut, il fait mauvais, il fait dégueulasse. Je vais me mettre là, c'est plus agréable. Ah, quand même, on entend moins la pluie là. On est mieux, hein. Là, on est mieux. Là, on est mieux. C'est parfait. 70 balles. T'es sérieux? Mais non. 27. Bon, bah, je pense qu'on remonte doucement. Ouais, non, vraiment, les serveuses. Il faut impérativement pas faire attendre les gens. Attends, bravo, je me suis saigné pour avoir une chambre. Personne dedans, bravo. Bon, vivement qu'on ait plus de pognon. Hein. Ok, d'accord, donc là j'ai 230, attention, 234. Moins les salaires. Menu spécial, prix de la nourriture plus 1%. Ouais. Ouais, on va attendre. On va passer. 230 balles, donc apparemment j'ai déjà payé le... Hop là, c'est pas mal. Garde-moi ces gens. Putain, mais il faudrait une salle du personnel. Alors, est-ce que je pourrais améliorer ce truc-là? Donc, prix de la soupe, d'accord, et durée, d'accord. Il faut améliorer ça aussi. Il faut améliorer ça, je pense que ça aidera à qu'il aille plus vite. Conquel. Ça aidera à qu'il aille plus vite. Ça, tu vois, lui, il sert suffisamment rapidement les bières. 22 balles. Oh, bah, il laisse un petit pourboire sur le lit. Ok, d'accord, super. La gouvernante. Est-ce que tu fais flipper, là, comme la nonne qui tue des gamins? Pas du tout. Elle est blonde, les yeux bleus, elle est mignonne, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Serveuse attend que le producteur de nourriture. Oui, on a compris, Lily, calme-toi. Il faudrait peut-être augmenter ça aussi, parce qu'à mon avis, la nourriture, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai plus de points.
du pognon. Je pense que les serveuses sont assez rapides. Il y a deux plats qui attendent. Alors, ça nous attend que... Ouais, vraiment, la nourriture va être un petit peu un problème. Ah, merci, c'est gentil de nettoyer. J'aurais pu voir. Ça vous fait ça en moins à faire, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu. Oh, mais tu te calmes sur le temps, là. Oh, attends, écoute, on fait un chose suivante. Audio, parce que si je fais ça... Volume des effets sonores, et... Voilà, ouais, non, mais quand même, les voix humaines. Ah, bon, les voix humaines, ça fait de la... Ah, c'est plus agréable. Ça va, monsieur? On fait dodo? Ça vous dérange pas si je vous regarde dans... On les entend dormir. Hop là, pardon. Oh, disons, c'est qu'il y a du pognon ici. Ça va bien, monsieur, dame? Vous êtes contents? Là, on peut voir leur... tu vois, ils sont contents. Voilà, en fait, la jauge, elle est là. Elle descend doucement. Parce qu'il n'est pas en attendant la boisson servie, elle. D'accord. Et du coup, ça va, ça vient. Ok, génial. Génial, génial. Bon, écoute, ça, on va l'améliorer encore. Du coup, il va pouvoir cuisiner encore plus mieux. Et c'est pas mal. 125 balles. Attends une minute, c'est buggé ou quoi? Bon, je passe. Bon, le pognon, il arrive. Si on arrive à gagner 500 balles par jour, je pense qu'on a tout gagné. Globalement. Ça, la nourriture, c'est fait. Et vraiment, quand j'aurai beaucoup plus de personnel, enfin, beaucoup plus de monde, on mettra en place un autre cuistot. Voilà. Et ça, je peux pas l'améliorer, là, le truc dessous. Peut-être en mettre un autre, non? Imagine, je remets... Attends, la cuisine. Il n'y a rien, la salle de bain. Pas de salle de bain. Ouais, se laver, c'est pour les gueux. Est-ce que je peux le tourner? Comment on fait pour tourner? Je me souviens plus. Je me souviens plus très bien. Comment tu fais pour le tourner? Attends, comme ça, oui. Mais du coup, est-ce qu'il passe, tu crois? Est-ce qu'il peut passer? Est-ce qu'il va faire en sorte de mettre des plats ici? Il sera peut-être cuit. Alors, s'il est prisonnier dans sa cuisine, c'est presque mieux qu'il aille dormir dans sa cuisine plutôt qu'à l'extérieur. Tu vois, c'est... Faut réfléchir dans ce sens-là. Est-ce qu'il va les utiliser surtout? Non, je pensais pour un autre cuistot. Je pense que c'est pour un autre cuistot. Oui, je crois qu'on peut aussi améliorer ce truc-là. 160. Allons-y. Alors, du coup, elle va servir de la bière plus rapidement. Et 300, la prochaine étape. Tu vois, j'ai pas à faire les commandes de bière. Attends, ah, c'est sale. C'est sale. C'est sale, sale. Les gens sont contents. C'est génial. Ils laissent des pourboires. Je voudrais un barde. Je voudrais un barde. Allô, ça y a pas. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Catalogue Game Room. Ah, tu crois qu'on peut. Tu crois qu'il y a un workshop? Il faut qu'on regarde ça pour la prochaine fois. Ce serait génial. Je sais pas trop ce qu'ils pourraient mettre en place, mais why not? Why not? Alors, est-ce que on pourrait faire une folie? Dans le genre. Une autre pièce? Enfin, ça, je peux pas. Avec un lit, truc de ouf gueudin. Et du coup, est-ce que ça bloque? Est-ce que ça gêne? Moi, ça... Oh putain, la vache, j'ai dépensé du pognon. Dépensé beaucoup de pognon, j'aurais peut-être pas dû. Attends, la réputation a bien baissé, pourquoi? Parce que je suis en rouge, et merde, je crois que quand je suis en rouge, ma réputation, elle baisse. Je crois que j'ai fait de la merde. Tant pis, j'aurais dû gérer ça. On en avait beaucoup en plus d'un répute. Oh, pas atteindre. Oh, c'est pas possible. Là. Bon, du pourboire, il y en a plein partout. Bon bah, chers amis, va falloir mettre les bouchées doubles là. Hein. Vraiment. Tut, 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 tut.
Allez, il faut redresser la baraque parce qu'on est dans la merde. En tout cas, lui, il passe. Ok, niveau 5. Le niveau 6 arrive incessamment sous bientôt. Ah, pardon, excuse-moi. Ah tiens, regarde, c'est là. D'accord, elle a fait le ménage. Elle a fait le ménage, elle ne sert pas à rien à l'extérieur. D'accord, bah ça c'est bien ça. Donc elle fait le ménage aussi. Ouais, c'est bien. Oh, il y a un petit peu de pognon. C'est pour la petite souris, monsieur. Il dort les yeux ouverts. J'adore. Bon, j'ai vraiment hâte de pouvoir tout améliorer au maximum. D'avoir beaucoup de personnel et de clients et de... Oui, j'ai hâte. Oui, voilà, j'ai hâte. Le jeu me plaît beaucoup. Vraiment, c'est un tout petit jeu pourtant. Et le jeu me plaît beaucoup. Voilà. Ça, c'est bien de... Les artisans du jeu vidéo, eh ben, ils font du bon boulot. Voilà, j'ai envie de dire. Car on sent l'amour et la passion. Non. Voilà, on a une réputation maximale, on a du pognon qui est rentré assez rapidement. Ouais, vraiment, c'est toujours la même chose, c'est la bouffe. Il va falloir un autre cuistot. Écoute, on embauche tout de suite un autre cuistot. Un autre cuistot, 72, allez c'est parti, il s'appelle Félix. Félix le cuistot. Et du coup, alors est-ce qu'il te faut une autre marmite? Non, vous pouvez très bien cuisiner directement dans la même marmite. Parce qu'en plus, vous avez d'autres trucs là. Regarde. Ah, voilà, c'est parfait. Ça, c'est pour Bibi, ça je prends. Ok, parce que globalement, la place, c'est bon, c'est pas ce qui manque. Les clients, eux, ils arrivent. L'important, c'est qu'ils soient servis vite et bien. Voilà, non, c'est très bien, c'est très bien. Alors, Félix, on a 5 points quand même. That is Félix. Vitesse de cuisine. Ok, je vais lui mettre une vitesse de cuisine. Là, on sera des cuistots exceptionnels. J'aimais bien le dernier jeu qu'on avait fait. T'avais des plats cuisinés spéciaux. Et il fallait commander justement de la bouffe, des ingrédients spéciaux. Et j'ai trouvé ça très très cool. Bon, bref. Ok. Le barman, j'espère qu'il est assez rapide. Faudra le former lui aussi. Chance de pourboire. Ouais, chance de pourboire. Une réduction de salaire, toi tu vas en coûter beaucoup moins cher, mec. Allez, j'avais encore un point placé, c'est pour ta gueule. Où est l'autre cuistot? On a un peu de pognon, donc ils sont deux en cuisine, c'est très bien. Oula, c'est dégueulasse. Bon, alors mon objectif, franchement, ce serait de passer les 1000 pièces d'or. Ce serait vraiment génial. Mais bon, on a quand même pas mal de frais, notamment des employés que j'arrête pas de recruter. Mais bon, ça fait le taf. Ouais, il est reparti mécontent, mais bon. Parti content. C'est pour boire. Voilà, tiens, regarde, ils sont très contents de leur chambre d'hôtel. Les cuistots, ils savent faire. Toi pour le mieux dans le meilleur des mondes. 500 balles déjà. Les cuistots travaillent bien. C'est très très bien. Faudrait peut-être l'améliorer, ça. 600 balles, ce serait bien. Ce serait bien de l'améliorer, comme ils sont deux à cuisiner, tu sais. Est-ce que, du coup, on a gagné des choses et d'autres choses? Il y a ça aussi, ouais, il y a ça aussi. Une cheminée, oh, ça peut être sympa, la cheminée. Prix de la nourriture, plus 20%, mais c'est le prochain truc. C'est forcément le prochain truc. Oh, le truc pour le karaoké, oh, nécessaire niveau 8. C'est bien, il y a plein de choses à... Bain de vapeur, d'accord, ça doit être un nouveau truc pour cuisiner. Toujours rien, pas ici. Des décos, y a-t-il des nouvelles décos? Non, il y a que des fleurs et des animaux empaillés. OMG. Ah oui, d'accord, le four à tarte. Ah, oh, mais c'est là, tu vois, au lieu de mettre dans les employés. Il faut faire ça. Parce que là, niveau employé, c'est déjà pas mal. Regarde-moi ça. J'ai même pas le temps de tout ramasser. Bon, bah, avons-le nous. Tout va bien. Je viens de payer les employés. Moins 300 balles pour les employés. Hein. Punaise. On n'a pas fait les 1000 balles. Mais quand même, on n'a pas fait les 1000 balles. Hein. Mais quand même, écoute, franchement, on est déjà à 550.
C'est pas mal du tout. Allons-y. Donc niveau 6. Aïe aïe aïe, niveau 6. Ouah, c'est l'hiver. Quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, viens boire un coup, gars. Et fous ta cagoule. Hein? Et viens boire un coup, gars. Et je suis fier de ma rime. Allez, on se fait encore cette journée, chers amis. J'espère qu'on atteint les 1000 pièces d'or. Et on s'arrête là. La prochaine fois, on fera autre chose. Enfin, je veux dire, on avancera. Et tout. Mais il faut décorer la taverne, il faut décorer les chambres, il faut faire avancer les chambres, avoir d'autres choses à cuisiner, il faut mettre le barde en place. Il y a plein de choses à faire et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je vais voir aussi s'il y a un workshop. Je vais voir. Démolir. Ah non, ça, c'est juste une catégorie. Démolir les chambres. Ouais, on va éviter. Il y a des salles de bain. Salles de bain. Ouais, mais je me suis mis un objectif. Bain vapeur. Il faudrait faire une salle de bain. Oh. On fait cette journée. On gagne du pognon. Après, c'est bien d'avoir un petit peu de pognon de côté. Ça s'appelle la trésorerie de l'entreprise. Il faut avoir un petit peu de quoi... voilà. Ah, c'est marrant. Et vous êtes jumeaux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est maman. Elle vous a séparé à la naissance, vous connaissez ou pas? Vous êtes frère Si j'en embauche un troisième, vous êtes triplé? On apprendra ça? Énorme. Ok. Ah, par contre, ils commencent à plus être très très contents, les gens. Peut-être nous sommes victimes de notre succès. Peut-être un problème. Ok, allons-y. Ah oui, bon, bah, la nourriture, comme d'habitude, quoi. Bon, ça, il faudrait l'améliorer, en fait. Ouais, tu vois, il faudrait améliorer ça. Il faudrait mettre la salle de bain. Non, oh, patin. Patin. Est-ce que je construirais pas plutôt un autre truc ici? Et j'en ai aucune idée. On va peut-être tout déplacer, tout déplacer. Tu. On est à 1000 pièces d'or, c'est officiel. On est smicard. On a le SMIC sur notre compte en banque, on est content, on est très très heureux. Les gens commencent plus à... voilà. Et en plus, on a payé tout le monde et on a encore 1000 pièces d'or. Chers amis, absolument fantastique. On va passer, par contre, on va s'arrêter, on va sauvegarder bien sûr. Sauvegarde. Et on va se dire à demain. Petite vidéo de 40 minutes, c'est très très bien. Pour une fois que je fais pas des vidéos hyper longues. Gros pouce bleu, gros abonnement, gros bisous bien sûr. Et gros bisous, enfin j'ai déjà dit deux fois. Bah ça fait deux gros bisous, voilà. Allez, tchou tchou, bye bye, à la prochaine.